Salut les amis. Alors là, on est sur un bar qui s'appelle Happy Island. C'est un bar qui a été fait en fait sur une île artificielle. Il y a un gars qui est venu mettre des coquilles de conques. Il en est venu en mettre plein. Jusqu'à un moment donné où il a pu bétonner et se faire sa petite île à lui. Et après, il a fait un bar. Moi je fais une vidéo. Bon, passez! Hey, ça fait envie, hein? On va se baigner? Enfin bon, je sais pas combien de verres j'ai bu, mais... Moi j'en veux encore. J'en ai bu beaucoup. On verra, on coupera en montage. Là je reviens au bateau, ma femme adorée m'a fait des pâtes. C'est quand même une femme formidable. Elle a son mari qui rentre complètement bourré au bateau. Et torché limite à pouvoir manœuvrer l'annexe pour pouvoir aborder au bateau. Et j'ai des pâtes en rentrant, toutes chaudes, tout bien. Ah, c'est bien. Et j'ai même un petit verre de rosé. Non, pas de rosé. Le rosé, c'est important. Il n'y en a plus. Bon. Alors un petit verre de rosé. Ah oui, tu l'as mis. Les gens. Normalement, les enfants ne devraient jamais voir leur papa sous. Ben, c'est agréable, hein. C'est sympa d'être sous. Enfin, ça dépend. Si on a le vin méchant, c'est pas bon. Mais moi, j'ai le vin gentil en fait. Je rigole, je suis rigolo. Bon. En fait, j'ai laissé femme et enfants sur mon bateau et je suis parti boire. Il y a un bar, c'est une île. Donc j'explique, je crois que j'ai déjà expliqué avant. Oui, quand je suis arrivé, je me suis dit c'est bizarre, le bateau n'est pas allumé. Quand je suis arrivé, madame, elle a allumé le bateau. Comme ça, j'ai pu arriver au bateau, arrimer, monter l'annexe. Regardez. L'annexe est montée. Bien. Et puis bon, c'est vrai que je chantais en arrivant. Je sais pas si je devrais mettre cette vidéo, parce que si je mets cette vidéo, ça veut dire que je me mets en position de faiblesse en fait. D'un autre côté, ma fille mange mes pâtes pendant que je suis bourré. Regarde, ça c'est mon manger. Nuit. Alors, je voulais dire quelque chose avant de commencer à manger et lâcher la caméra. Pendant que je suis bourré, je voulais dire quelque chose à tout le monde. Bon, déjà, tous mes abonnés, je vous adore. Vous êtes super gentils, c'est super. Merci. Merci de me suivre, merci de me regarder. J'espère aider certains dans leur futur traversée et puis transatlantique. S'ils veulent faire des transatlantiques, peut-être même des tours du monde, peut-être ça peut aider. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tu rigoles, c'est pas bien. Alors après, je dis merci. Merci pour vos commentaires qui m'aident tous les jours parce que je fais des vidéos, une vidéo par jour. C'est pas forcément évident, quelquefois on sait pas quoi dire. Bon, voilà. Toi tu rigoles, mais c'est pas gentil de rigoler. Donc merci. Vous êtes tous gentils. Et toi, t'as pas vu, t'es bourré. C'est quoi cette histoire? Pourquoi tu rigoles? Voilà. Je voudrais vous dire merci. Voilà. En fait, ça me touche beaucoup, tous les petits messages d'encouragement, de dire que vous avez aimé.
Ça a l'air de rien, mais moi j'apprécie vraiment bon, la vie est trop courte. Il faut profiter de la vie. Alors bon, avec l'alcool ou sans l'alcool, on s'en fiche. Le mieux c'est sans l'alcool, effectivement. Donc moi, ce que j'ai un conseil, c'est profiter de la vie. La vie, c'est pas gagner plein de sous. La vie, c'est profiter de cette vie. Pour faire quoi? Si vous avez envie de faire le tour de l'Atlantique, faites le tour de l'Atlantique. Si vous avez envie de faire le tour du monde, faites le tour du monde. Profitez de la vie. On n'a qu'une vie. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a qu'une vie. Il faut profiter de cette vie. Bon, ben, je vous embrasse fort et puis je vous dis à demain. Ciao!